de Français vivent aujourd'hui à l'étranger et tous les ans, 200 000 reviennent en France après des années d'expatriation. Derrière chaque retour, il y a une histoire personnelle. Pendant un an, nous avons suivi trois familles françaises sur le chemin du retour. Les Maulois débarquent à Roissy après avoir vécu 20 ans en Australie. Il fait froid, hein? C'est pas comme en Australie. T'es sûr, t'as pas trop froid? À Paris, au mois de novembre, on est loin du climat australien. Passé de 40 degrés à 10, le premier choc du retour pour les Maulois est thermique. Et pourtant... Je suis content d'entrer. Il y a le cœur qui parle, et puis il y a les souvenirs, il y a l'enfance qui revient, et puis tout de suite, il y a les odeurs. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai les odeurs, forcément, les odeurs de pollution, les odeurs de grande ville. Mais c'est des odeurs qui me rappellent Paris quand j'avais 20 ans, en fait. Hein. Pourtant, en 20 ans, la France a beaucoup changé. Emmanuel et sa famille vont vite s'en rendre compte. Tu sais parler français. Une autre famille s'apprête à rentrer en France après 13 années au Canada. Karine et Nicolas y ont été heureux, ils ont fait deux enfants, et pourtant, ils ont décidé de tout quitter. Je fais une nouvelle expérience de vie, puis si je veux que ça se passe bien, je vais faire en sorte que ça se passe bien. C'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, c'est sûr qu'on va avoir des choses qu'on ne s'attendait pas en France, et on va être déçu peut-être de certaines choses, mais il ne va pas falloir faire marche arrière. Enfin, Myriam et Enrique, eux, ont vécu deux années au Mexique, dans la famille d'Enrique. Désormais, c'est dans un petit village de Savoie qu'ils vont essayer de vivre. J'ai pas de doute par rapport à mon retour. On est vraiment sûr de vouloir rentrer. Maintenant, en tout cas, les seuls doutes que j'ai un petit peu, c'est est-ce qu'une fois qu'on sera rentré, une fois qu'on sera installé et qu'on aura le travail, la maison, etc., est-ce qu'à ce moment-là, je vais pas avoir de nouveau envie de repartir et une fois qu'on aura fait tout ça? Qu'ils viennent d'Australie, du Canada ou du Mexique, tous vont devoir se reconstruire une vie en France. Trouver un travail, un logement. Une nouvelle vie qui leur réserve bien des surprises. Ça caille un petit peu. Ça change du Mexique. Quand Emmanuel est parti en Australie, c'était un jeune apprenti pâtissier de 20 ans. Il n'avait jamais quitté la France et ne parlait pas un mot d'anglais. Gordana, sa petite amie, accepte de le suivre. Le couple s'installe à Perth. Ils ont un enfant, puis deux, puis trois. Deux chiens, deux poissons rouges. L'aventure dure 20 ans. Toute la semaine, j'ai conduit, j'ai fait plein de films avec mon téléphone, parce qu'en fait, je me suis dit, je vais essayer de prendre plein d'images pour pas oublier. Et puis, mais sans vraiment réaliser que je quitte l'Australie. Et c'est en fait à l'aéroport, quand il y a des amis qui sont venus nous dire au revoir, qui m'a fait réaliser que... Bah, je pars. Je me dis, ça y est, on rentre. Voilà. No way back. Pour Louis et Maya, ce retour au pays est plutôt un exil. Les enfants sont nés en Australie. Ils ne sont venus en France qu'en vacances et ne parlent pas français couramment. Qu'est-ce que tu voulais dire en français à mamie si, quand tu as faim? Je sais pas. S'il. S'il te. Voilà. À 6 ans, Maya supporte mal ce bouleversement. Et surtout l'absence de sa maman, restée en Australie, pour que son aîné Zlatan termine son année scolaire. Ta maman va bientôt venir. C'est qu'elle va venir pour Noël. Tu nous donnes? C'est going to come for Christmas, OK? Le point de chute des Maulois est dans le 18e arrondissement de Paris, chez les beaux-parents d'Emmanuel. Attention, il y a du caca par terre. C'est pas comme en Australie, ils ramassent pas ici. Et ce n'est pas la seule différence entre l'Australie et la France. Go Maya, go and say hello to papi. Les grands-parents ont attendu ce jour du retour pendant des années. Comment ça va, Myriana? Hein? Et toi? Ça va bien? Ils ont grandi, hein? À 3 ans, hein?
Yeah. C'est Zlatan, Zlatan, il m'arrive ici, il a 12 ans. Il cartonne à l'école. Il est content de rentrer. Hein. Ah oui. Il est content de rentrer. Moi aussi, on est content qu'il soit là. Je voulais jamais qu'il parte. Hein. Emmanuel se souvient encore du jour de son départ. Ma mère a pleuré, et puis je me rappelle bien de vous aussi. Tout le monde était en pleurs. Et en fait, les seuls qui pleuraient pas, c'était moi et Gordana, parce que pour nous, c'était la liberté, c'était l'aventure. En fait, personne ne croyait capable de faire ça, en fait. En quelque sorte. La liberté et l'aventure. Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Ils apprennent l'anglais, se font à un mode de vie très différent, initient les Australiens au parfum de la pâtisserie française et ouvrent deux bistrots et une pâtisserie. Emmanuel devient une star en animant une émission de la télévision australienne. Le pari est gagné. Les parents font à leur tour le voyage pour saluer la réussite de leur jeune. C'est joli là-bas. C'est joli. C'est le paradis pour ça. C'est dur. Hein. Oui, mais c'est le paradis, oui. Paradis, non, mais voilà, c'est bien de vivre, c'est bien de vivre au paradis. Mais paradis, d'un seul coup, quand on réalise qu'on est seul au paradis, c'est pas génial. Nous sommes à Augusta et à Gordana. Génial, ça l'a pourtant été pendant des années. Dans ce coin paradisiaque. Mais il y a quelques mois, un événement change la vie des Maulois. Emmanuel fait une chute à vélo et découvre à l'issue d'un bilan médical qu'il souffre d'un cancer de l'épaule. Dès lors, rien n'est plus comme avant. C'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment peur, quoi. Je me suis dit, non, il faut que je rentre, on ne sait jamais. Quoi. On pense à la famille, on pense à ses parents, enfin, ma mère, parce que mon père est décédé. On pense à tout ce qu'il y a autour en France et on s'est dit, je crois que ça ne ferait pas de mal de rentrer en France, peut-être, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, et reprendre un petit peu le contact familial et de se sentir entouré au cas où il y a une rechute, en fait. Le sentiment de solitude, c'est le lot de nombreux Français qui ont émigré. Tous les Français de l'étranger ne sont pas de riches expatriés avec villas, limousines et gros salaires. La grande majorité d'entre eux travaillent sous des contrats locaux. Tu veux du bagel, Sybille ? Karine est arrivée à Montréal il y a 13 ans. Elle avait 25 ans et un diplôme supérieur en management. Le Canada offrait plus d'opportunités aux jeunes que la France. Après des petits boulots, elle est embauchée dans un grand hôpital et rencontre un autre expatrié, Nicolas. Ils font deux enfants, Julia et Sybille. La petite famille achète une maison dans un quartier de Montréal. Mais aujourd'hui, 13 ans après avoir quitté la France, elle ne pense plus qu'à une chose, y retourner. L'éloignement et la solitude ont eu raison de son rêve. D'accord. Surtout depuis qu'elle est devenue maman. Un enfant, ça va. Deux enfants, ça devient compliqué parce que sans soutien familial, là, c'est là qu'on se sent vraiment seul. D'autant plus qu'avec le métier de Nico, qui n'est pas là pendant 30 jours d'affilée, avec deux enfants, c'est juste impossible. L'année dernière, ma mère est beaucoup venue. Mais là, après, elle ne peut pas vivre au Canada non plus. Hey, bonjour. Si Karine se sent tellement seule, c'est en partie à cause du métier de Nicolas. Nicolas est pilote d'hélicoptère. C'était son rêve d'enfant. C'est ça qui l'a amené au Canada, où la formation de pilote est beaucoup moins onéreuse qu'en France. Il sillonne le pays, souvent dans le Grand Nord, à plus de 2000 km de son foyer familial. Il transporte des secouristes lors d'incendies de forêt, des experts lors de forages de puits, ou des techniciens pour la réparation de barrages électriques. Ce rêve d'enfant, il va devoir y renoncer pour sauvegarder son couple, sa famille. J'apprécie Karine d'avoir fait beaucoup de concessions pour mon travail. C'est pas donné à, je pense, à toutes les mères de famille de vivre ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire s'occuper de deux enfants pendant 30 jours, toute seule, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans famille. Beaucoup de femmes de pilotes ont beaucoup de mal avec ça, ce qui est compréhensible d'ailleurs, parce que nous, les hommes, à cette place-là, on aurait les mêmes problèmes, peut-être même pire. Donc, ça me va très bien comme ça, on s'adaptera.
Julia, 6 ans, a compris que dans quelques jours, elle changeait de vie. Elle m'a dit qu'on va aller habiter en France et au début, on va aller vivre à Mieux-Si chez mon papy et mamie. Après, je sais pas si on va se construire une maison ou on va s'en trouver une. Et quelle est la plus belle chose que tu vas garder du Canada dans ta tête? C'est mes amis. Mais tu faisais quoi avec tes amis? Ben, je joue avec eux, c'est mes meilleurs amis, alors je pourrais les garder dans ma tête. Après Montréal et ses 2 millions d'habitants, la famille Gay va s'installer à Mieux-Si, 2000 habitants, en Haute-Savoie, au cœur des Alpes. C'est le village où habitent les parents de Nicolas et où il a grandi. Karine a pris les devants et contacté par Skype des jeunes du village pour participer à leurs projets associatifs. Ça fait du bien de voir des jeunes qui reviennent vers le pays. Ah bah c'est carrément cool, hein, surtout qu'on les aime bien, donc on est content de les voir revenir. Non, moi j'en ai connu plusieurs qui sont revenus, qui sont partis, qui sont revenus, qui sont repartis. Enfin, c'est qu'à un moment donné, ils ont besoin peut-être juste d'un retour aux sources. C'est possible qu'ils repartent? Peut-être. En tout cas, moi, ceux que j'ai connus, ils sont tous repartis. Rien d'encourageant. Ça n'empêche pas la petite famille de faire ses cartons. On croise des gens, quand on dit qu'on part, il y en a beaucoup qui disent « Mais pourquoi vous rentrez en France ? Moi, je serais juste plus capable d'y aller. » En particulier ceux qui viennent de Paris. J'ai l'impression qu'à Paris, c'est devenu très, très difficile dans les dernières années. Mais il faut dire que quand je suis partie il y a 13 ans, moi, j'étais satisfaite. La France, c'est toujours un pays dont j'ai été fière, que j'aimais. Je l'ai toujours revendiqué ici. Donc, je ne reviens pas en me disant que je vais être déçue. Hein ? Jus, on va manger. Allez. Viens mettre la table avec nous. Pas question de se laisser impressionner par les rumeurs qui arrivent de France. Morosité, crise économique, insécurité. Les Français qui rentrent de l'étranger savent que leurs concitoyens ont tendance à râler. Moi, j'ai changé. Nous, on a changé. Nous, on s'est américanisé. Ici, on a découvert un monde qui était très libéral. C'est chaud. Tu souffres, toi? Ici, même un contrat, on te dit, on te signe un contrat, il peut... Si dans un an, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail, c'est fini, quoi. Même si tu avais signé pour 5 ans. Ici, il n'y a rien de certain dans le travail, mais l'avantage, c'est qu'on peut facilement retrouver aussi. Et c'est pour ça que je me dis, moi, j'ai changé aussi. Il va falloir que je me réadapte à la France, puis découvrir peut-être aussi une France différente. À des milliers de kilomètres de là, Myriam et Enrique se préparent à découvrir une France différente. Le jeune couple a beaucoup voyagé avant de s'installer au Mexique. C'était un nouveau départ. Et que, voilà, c'était là que je voulais que ça fonctionne, en fait. Je voulais que ça fonctionne pour qu'on vive. Enrique et Myriam se sont rencontrés en Floride, en juillet 2011. Lui est originaire de Mexico. Elle, d'un tout petit village français près de Chambéry. Tous les deux avaient quitté leur pays pour découvrir de nouveaux univers. Coup de foudre, mariage et promesse de vivre ensemble. Ils ont tenté la France, la Floride, l'île de Malte. Et puis finalement, ils ont jeté leur dévolu sur le Mexique. Ça a été un gros changement. Beaucoup de soleil. La culture est vraiment différente par rapport à celle qu'on a en France, qu'on connaît. Les gens sont vraiment très ouverts, sont tout le temps souriants, ils sont toujours là pour vous, ils sont toujours curieux de savoir pourquoi on est venu là finalement. En fait, on voulait la chaleur toute l'année, ne pas avoir d'hiver aussi. On voulait vivre le rêve en fait. Des projets plein la tête, le jeune couple s'installe à Mérida, une ville de près d'un million d'habitants dans le golfe du Mexique. Pour Enrique, ce n'est pas vraiment un dépaysement. À Mérida, ses parents possèdent une usine de fabrication de pièces détachées. L'entreprise est florissante et le jeune couple voudrait la diriger une fois les parents à la retraite. Buenos días. ¿Cómo está?
Toute la famille d'Enrique travaille au sein de l'entreprise. Le père, la mère, les deux frères. Buenos dias. Hola, buenos dias. Myriam pensait pouvoir facilement se faire une place au sein de sa belle famille. Quand on habitait à Malte, c'est elle qui a décidé de rentrer en Mexique. Parce que moi, mon option d'abord, c'était en France. Même si je sais qu'à Mexique, on avait ça, le business familial, et on avait ma famille. Peut-être que dans le moment, elle avait une autre idée de Mexique dans sa tête. Mais une fois qu'on est arrivé ici, la réalité, c'était une autre. Travailler en famille est souvent compliqué. D'abord, les parents ne sont pas prêts de prendre leur retraite et ne répondent pas aux souhaits du jeune couple de partager les responsabilités. Allez. Myriam profite de la naissance de sa fille, Eva, pour prendre du recul. Elle n'est pas heureuse. Son rêve commence à s'estomper. Et puis un jour, tout bascule. C'est vrai qu'il y a eu un gros événement qui est arrivé au mois d'avril. J'ai ma maman qui est décédée. Et c'est aussi pour ça que du coup on a décidé qu'on voulait rentrer en fait. On ne pouvait plus être loin de la famille. On se rend compte que finalement, la famille c'est très important. Et que quand on est à l'étranger, c'est un petit peu ce qu'on se perd en fait. On perd le contact finalement avec la famille. Alors on s'envoie toujours des messages, on se parle toujours. Mais c'est jamais vraiment, vraiment pareil finalement. La famille des Maulois s'apprête aussi à redécouvrir la France. Comme Emmanuel et les enfants sont partis en éclaireur, Gordana s'occupe du déménagement en Australie. Il faut se débarrasser des meubles et des objets accumulés en 20 ans. Ça, je vais devoir le vendre. C'est fantastique, c'est une commode vintage antique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau en français pour faire la liste des courses. Alors il faut que je commence par apprendre le français pour pouvoir utiliser ce tableau. Et c'est seulement 2 dollars. Ce sont les sols, mesdames et messieurs. Oh, ça me fait un peu bizarre de vendre tout ça maintenant. Je me rends compte que c'est notre vie, 19 ans à passer. Mais bon, c'est la vie, un nouveau commencement. C'est le moment dans notre vie où il n'y a rien qui se passait comme on le souhaitait sur la fin. Donc c'est le moment de rentrer. Voilà. Zlatan, l'aîné des enfants maulois, a 12 ans. Dans quelques jours, il quittera ces grands espaces où il a grandi, pour un hexagone qui ne le fait pas vraiment rêver. J'ai déjà été en France. Je suis habitué au froid, à la neige et au ciel gris. Évidemment, vu comme ça, la comparaison avec l'Australie fait mal. En Australie, il fait tellement plus chaud. C'est une île plantée au milieu de nulle part. Et Perth, c'est la ville la plus isolée au monde. C'est extraordinaire. Ici, on est loin de tout. Alors que la France est un pays très peuplé et stressant. Tu te sens français ou australien ? Je me sens australien. Je suis né ici. Et j'ai grandi depuis presque 13 ans. J'ai déjà visité la France. J'aime la France, mais je me sens australien. Gordana ne peut pas s'attarder sur les états d'âme de son fils aîné. Les containers arrivent demain et tout doit être prêt. J'ai un container pour emmener ce qui est volumineux. Donc lui, on l'emmène, hein ? On t'emmène ? Voilà. Et puis ça, on a démarré ça il y a 20 ans. Donc il y avait 2-3 photos, puis ça s'est agrandi et puis... Ça passe vite. Je ne les ai pas vus passer les 20 ans, non hein ? Les seuls qui ne font pas partie du voyage sont les deux chiens, Simba et Tinky. Impossible de les emmener pour l'instant, puisque les Maulois ne savent pas où ils vont habiter. Simba, il va rester avec des amis à nous. C'est une famille, en fait. Mon meilleur ami. Donc, ils vont le garder pendant 6 mois. Après, on va le rapatrier en France. Hein, Simba ? Après, on va aller en France ? Hein ? Tu veux voir les Françaises ? Ok, on y va. Reste à se séparer des amis. C'est le temps des adieux. Gordana fait la tournée des copains qui sont devenus très proches au fil des années. Ça va être très très dur. Plus dur que quand on est parti. Quand on est parti de France, on n'avait rien. On était jeunes, on avait une valise, voilà quoi. Là, on quitte quand même quelque chose qu'on avait établi. On a rencontré des gens fantastiques.
En fait, on a des groupes d'amis complètement différents les uns des autres et que je ne pense pas que j'aurais fait la même chose en France. En France, un petit peu plus, on a les œillères un peu. Il y a quelqu'un ? Sally et Thor, les meilleurs amis de Manu et Gordana, sont anglais. Ils sont médecins à Perth. Ils font partie des tout premiers clients de la pâtisserie des Maulois il y a des années. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Nous sommes contents. Tu es contente? Nous sommes très contents de partir. Comment peux-tu être contente? C'est si beau ici. C'est une sacrée décision que vous avez prise. J'en suis consciente. Moi qui ne pleure que très rarement, j'ai pleuré toute la semaine. Je me demandais si on avait bien fait, si on avait tort. Puis je me suis dit, bah, on verra bien. Quand Emmanuel est tombé malade, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si quelque chose lui arrive? Je ne veux pas me retrouver toute seule. Et pour moi, rentrer en France me sécurise, parce que je sais que j'ai ma famille là-bas. C'est le moment des adieux. On retient ses larmes. Promis, on se revoit en France. Je veux partir avec toi. En décidant de rentrer en France, les Maulois savaient qu'ils tourneraient le dos à une immense partie de leur vie. Au Canada, Karine et Nicolas, eux, ont vendu leur maison de Montréal. Reste ce chalet qu'ils avaient acheté à 120 km de la capitale, dans la région des Laurentides. On n'y accède que par bateau. Ils y passent toutes leurs vacances depuis 6 ans. Le pincement au cœur, je l'ai quand je viens ici, ça c'est sûr. Et rien que hier, quand on traversait, je me disais, bah, ce week-end, il faut que je trie dans nos affaires, dans les choix des filles. Qu'est-ce que je ramène pour que ça parte dans le conteneur? Parce que c'est le dernier week-end où on vient avant que le conteneur parte. Donc ça, je trouvais ça difficile de me dire, ben, je vais ramener ça, ces jouets à Montréal parce que les filles, elles vivront plus jamais au chalet. Ça, je retrouverai pas ça en France. Dernier week-end, Karine et Nicolas reçoivent des amis. Cyril, Isabelle, Vincent et les autres. Des Françaises expatriées comme eux, qui n'envisagent pas une seconde de retourner en France. Ça ne vous donne pas envie de rentrer? Par rapport à ce qu'on vit ici et ce qui semble se passer en ce moment en France, c'est sûr que je crois qu'il y a un écart réel qui est important là. Donc, je pense qu'on est mieux ici actuellement là, c'est sûr. On vit pas vraiment de tension sociale. Oui, on est un peu en crise, ouais. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement en France ou en Europe. Donc, les conditions sont assez différentes là. On est moins chahuté par la télé, on est moins chahuté par. Il n'y a pas ça là, il n'y a pas l'espèce de la chaîne en continu qui doit absolument trouver ça va pas, et toutes les heures on te dit que ça va pas, tu sais. Ah ouais. Et ça ne vous fait pas peur, Karine? Bah, si justement, tout ce qui... Elle va être en Auvergne. Alors déjà, on va être en Haute-Savoie, ne pas confondre la couture et la haute couture, s'il vous plaît. Moi, naïvement, j'ai tendance à me dire, ben, est-ce que j'arrive peut-être un peu avec mes lunettes roses, puis de me dire, ben, je fais une nouvelle expérience de vie, puis si je veux que ça se passe bien, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Puis je ne sais pas si je serai contaminée ou pas, mais c'est une nouvelle immigration, donc j'y vais pas en pensant à la sinistrose, sinon on n'irait pas, quoi. Si Karine et Nicolas sont partants tous les deux pour tenter l'aventure, il a fallu des semaines de discussion à Enrique pour comprendre que sa femme ne changerait pas d'avis. Que ce pays qui l'avait fait rêver lui était devenu insupportable. Pourtant, il y a 4 ans, le jeune couple était déjà rentré en France. Ça s'était mal terminé. Quand tu commences à écouter des commentaires comme Pepito, toi les Mexicains, viens là, mais je ne parlais pas avant la langue, pas du tout, même pas bonjour, rien. Et les collègues de boulot, bien sûr, ils profitaient de ça, que je ne savais pas, je ne parlais pas la langue. Maintenant,
je pense que ça va changer. C'est ça ? J'ai un petit peu peur qu'Enriquez ne se sente pas intégré au début en France, vu que les gens sont pas très très... On est quand même moins ouvert que les Mexicains, on va dire. Moins accueillants, moins avenants. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur par rapport à lui. Malgré les inquiétudes, le projet est lancé. J'ai quand même un peu de veste. Je serai pas toute nue quand j'arrive. Ah voilà, j'ai toutes mes écharpes qui sont là. Ça, c'est les trucs que je me suis jamais servi ici, c'est rigolo. Encore, on va recommencer encore une fois. On a passé déjà pour 3 pays différents et ouais, ça sera la 4e fois qu'on va recommencer. C'est difficile, vraiment. Moi, j'aime pas trop, vraiment, mais ouais, c'est la vie. Si on n'a pas trouvé l'opportunité ici, on espère qu'on la pourra rencontrer en France. Aujourd'hui, la vie, c'est un petit peu comme ça. Un petit peu. Avant chaque retour en France, les mêmes adieux poignants. Dernier repas du dimanche avec la famille d'Enrique. Il y a là les frères, les sœurs, les cousins, les voisins. La maman d'Enrique tente jusqu'au bout de retenir son émotion. Je ressens beaucoup de joie d'être avec eux. Pour leur dernier moment et leur dernier jour ici avec nous, entourés par toute la famille. Je suis vraiment contente que nous soyons tous rassemblés. C'est important que l'on puisse être là pour leur départ. La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto, pero no. J'ai vraiment beaucoup culpabilisé au début parce que je me disais, ben voilà, c'est de ma faute, c'est quand même plus de ma faute, enfin, c'est quand même plus ma volonté à moi de vouloir partir. Bon, je rentre à la maison et lui, du coup, il laisse tout de l'autre côté. Mais après, c'est vrai que quand on s'est mariés, on savait très bien que ça allait toujours être un petit peu compliqué et qu'il y avait toujours un de nous deux qui allait être loin de la famille de l'autre, finalement. Allez, on arrête les questionnements, les doutes et on rentre en France. Enfin, ce sont surtout les parents qui reviennent chez eux. Car pour les enfants d'expatriés nés à l'étranger, ce n'est pas un retour, mais la plongée dans un pays quasi inconnu. Oui, Lucas. Dis. Louis et Maya en savent quelque chose. Fini le soleil australien et l'emploi du temps qui fait la part belle aux activités sportives. Et ensuite, ni. Bienvenue dans les journées interminables de l'école de la République française, dont ils peinent à déchiffrer les mots. Béquille. Tu peux taper dans tes mains si tu veux. Quille. Donc c'est là, tu vois. Tous les jours, ils passent quelques heures dans une classe ordinaire et une autre partie de la journée en petits groupes, dans une classe conçue pour des enfants qui viennent d'arriver en France. À toi. Louis tente de raconter à ses petits camarades sa vie quotidienne en Australie. Je vis ma chambre et là-haut. Ma père et ma mère vivent la chambre et là en bas. I had 4 friends. J'avais 4 amis et c'était extraordinaire. Amazing. I basically miss. En fait, tout le monde me manque. Le plus difficile, c'est de ne plus avoir ses repères ou plus personne qui parle la même langue. Enfin, c'est terrible quand même. C'est terrible. Au début, moi, je les plaignais beaucoup. Bon, et puis après, ils s'adaptent avec une facilité, les enfants. C'est incroyable. Incroyable. Cela fait 2 mois que les Maulois sont en France. Et c'est vrai, Louis et Maya font leur petit chemin. Donc c'était quoi la cantine, Maya ? Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine ? Des nuggets et quoi encore ? C'était bon ? Alors, il faut s'habituer tant à la langue française
qu'à la grisaille du ciel de Nogent-sur-Marne. Ça ne ressemble en rien à la grande maison qu'ils habitaient en Australie. Pas de piscine, la mer est bien loin et ils n'ont pas encore d'amis. Maya, tu veux un verre de lait ou de l'eau ? Je crois vraiment que c'est plus facile pour Maya et Louis. Ils sont jeunes, surtout Maya. Elle a juste 7 ans. Elle se fait des amis très facilement. Moi, il faut que je me débarrasse de tout ce que j'ai appris en anglais. En plus, je suis un pré-ado. Et c'est compliqué de se faire des amis. Mais je suis chanceux de m'appeler Zlatan, comme Zlatan Ibrahimovic. Beaucoup de personnes dans mon école me disent « Ah, mais tu es Ibrahimovic !» Je rigole parce que c'est très... En Australie, je n'entends pas ça parce qu'ils ne connaissent pas Zlatan Ibrahimovic. Ouais, ça c'est bien, mon nom est Zlatan. Et je suis australien. Personne dans l'école vu un australien. Ouais, je suis le premier. C'est bien aussi. Des cinq Maulois, c'est Gordana la plus heureuse. Elle tente donc de montrer aux enfants les côtés positifs de la vie scolaire. Et la cantine, c'était bon ? Oui, c'est bon, mais c'est très... Chop, 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 vite, ouais. Ah bon ? Parce que beaucoup de monde est la cantine. Il faudra trouver autre chose pour convaincre les enfants de la douceur de vivre à la française. Ah oui, moi je suis contente d'être rentrée, moi oui. Oui. En Australie, j'avais l'impression que c'était toujours temporaire. T'es immigrée, tout le monde t'adore parce que t'es française. Les Français sont hyper bien vus en Australie. Ils adorent l'accent, la bouffe, tout quoi. Mais tu te sens, t'es pas chez toi en fait. Donc peut-être qu'on fait une erreur, je sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est la France et moi je suis hyper contente. Parce que je vois mes parents tous les week-ends pratiquement, je vois mes sœurs, et puis je déteste cuisiner, Emmanuel n'est pas là, j'arrive à faire des trucs. En France, c'est tellement bon, même une boîte de conserve est bonne, voilà. Le pain est bon, enfin, tout est bon, quoi. Tout me rend heureuse ici, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, c'est... ouais, tout me... Je me sens bien, c'est chez moi, voilà. Alors tant pis pour l'étroitesse de l'appartement. Tant pis pour les valises, qu'on ne peut pas défaire faute de place. Tant pis si les enfants partagent la même chambre à trois et si le jardin se résume à 10 mètres carrés. Ben voilà, ça c'est un petit exemple du manque de l'Australie où on sortait de la maison, il prenait son ballon et dans un parc immense avec des arbres, un lac, des oiseaux, un truc superbe. Et là on sort dehors et boum, une plaque de béton. Alors c'est vrai qu'on se dit, bon, ouais, c'est... Et le jardin, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est que ça. En fait, c'est là. Voilà, ça, c'est à nous. En fait, on peut rien faire de ce truc. En fait, on peut rien faire. Le seul truc que j'ai à faire, c'est faire du jardinage, et j'ai horreur de ça. Donc c'est vrai que à côté de l'Australie, il y a de quoi déprimer quand même. Et ouais, puis j'ai mis ma femme en prison. Elle est en prison. Et demain, qu'est-ce que tu as comme programme ? Il n'y a pas d'école demain. Ah bon ? Les profs sont en grève. J'y crois pas. Tu vois ? Ça, c'est typiquement français. Emmanuel a décidément du mal à se faire à tout ce qui est typiquement français. Il ne supporte pas le stress que la vie parisienne impose, mais il n'apprécie pas non plus la lenteur légendaire de l'administration française. En fait, dès qu'on arrive, on voit le travail qu'il y a à faire. Déjà, la sécurité sociale, ça m'a pris un temps fou. Malgré qu'ils avaient retrouvé mon numéro, 4 mois après, j'ai reçu ma carte vitale. Donc c'est vrai que c'est, tout est en France par rapport à l'Australie. En fait, tout est un peu plus lent, dans le sens où quand on redémarre, c'est comme si on était étranger, en fait. Les deux premières semaines, je me suis senti étranger, alors que je suis français. Pendant que les Maulois peinent à s'adapter au stress parisien, les Lyras, eux, font leur nid dans le calme plat d'un petit village de Savoie. La Bridoire, 1000 habitants, à 14 km de Chambéry. Toute la famille de Myriam est originaire de la région. Le jeune couple d'expatriés est accueilli à bras ouverts par Isabelle, la tante maternelle de la jeune femme. Moi, je piétinais à l'aéroport,
Mon mari, il n'arrêtait pas de me dire, non mais c'est bon, elle va arriver, elle va arriver. On était tous les deux avec notre appareil photo pour, jusqu'à ce que la porte s'ouvre pour pouvoir la prendre, l'arrivée de Myriam avec la petite, quoi. Voilà. Non, non, c'était un moment très, très, très fort. Ouais. Très fort, ouais. Et là, c'est parti en pleurs. Pleurs de joie, de retrouvailles, de joie, de tristesse, de tout, quoi. Voilà. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être attendue, j'avais besoin d'être entourée, de plus être toute seule, en fait. C'était un petit peu ce que j'avais ressenti au Mexique. Bon, alors j'avais mon mari, mais en dehors de ça, j'étais toute seule, j'étais vraiment pas soutenue. Il n'y a pas eu cette tendresse. Myriam retrouve ses amis d'enfance restés à la bridoire, comme Sarah. Moi, je suis partie un mois aux États-Unis avec mon mari, parce que mon mari, quand on était plus jeune, il voulait vivre là-bas. J'avais qu'une hâte, c'était rentrer. Parce que tout me manquait. Les derniers jours, on était sur New York, j'en avais trop marre. De tout ce monde, ce bruit, le métro, le taxi, le ci, le là. Las Vegas non plus, j'avais trop mal au ventre, de leur malbouffe. Miami, j'ai eu peur. Enfin, je trouve que c'est génial de découvrir d'autres choses et tout, mais il faut pouvoir. Enfin, le caractère, voilà. Pour. Moi, je l'ai pas. Myriam, elle là. Non, Myriam, tu vas pas repartir. Non, je veux plus repartir, moi. Non, je pourrais plus refaire la même chose, ce serait plus possible. Voilà, il faut aussi qu'on se sente chez soi, quelque part dans le monde. Et voilà, j'avais besoin de voir si je me sentais mieux dans un autre pays qu'ici. Et puis, non, je me suis rendu compte que finalement, non. Une fois l'émotion des retrouvailles passée, la réalité s'impose. Il faut chercher du travail. Elle avait bien dit qu'elle te recontacterait. Alors oui, ouais, je me rappelle, mais non. Malheureusement, non. Le problème, c'est que la bridoire se résume à un bar-tabac, un petit supermarché et une boulangerie. Dans la commune, on est plus habitué à voir des jeunes fuir la région qu'y retourner. D'ailleurs, après, la question, ça va être pourquoi vous revenez en France, surtout en ce moment ? Parce que c'est vrai que c'est le plein emploi chez nous. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, vous êtes deux. Hein. Vous avez corsé un peu l'histoire. Un, ça suffit pas, non, mais deux. Oui, puis en plus, un étranger, comme ça, au moins. Il y a des jeunes qui tentent leur chance, hein. Et vous pensez qu'on peut trouver du boulot par là ? Oui. Ouais. Du boulot, il y en a, c'est des bras qui manquent. L'hiver déjà, il y a les sapins ici. Il manque des bras. Michelin, le restaurant, il y a une grande affiche chez Tardienne de Valaise. Cherche plongeur de mai à octobre. Ils ne trouvent personne, ils ne trouvent pas un plongeur. T'as un plongeur, ouais. Plongeur avec les lave-vaisselle et tout, c'est quand même pas pénible. Ouais. Pour commencer, mais je vais faire n'importe, bah, pas trop n'importe quel travail, mais oui, je peux faire le plongiste. Plongeur. Plongeur, oui. Sans problème. Au début, je cherche juste en opportunité, et après, c'est d'essayer d'améliorer mon français et commencer à chercher des meilleurs travaux, on va dire. En région parisienne, grâce à son expérience et à sa notoriété en Australie, Emmanuel, lui, a été embauché dans une grande entreprise de pâtisserie pour faire des démonstrations dans des grands restaurants. Ça va les enfants ? Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. Ah ouais. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans un établissement qu'il connaît bien, celui de Jackie, son meilleur ami. C'est nous qui l'avions emmené au train pour prendre l'avion à Paris. On s'est dit, bon, bah, on l'emmène. Au bout d'un an, il va revenir. Mais en fait, non, t'es resté 19 ans. 20 ans. C'est bien ? Hop, là, maintenant, c'est sur la droite. Au cours de ces 20 années, les deux hommes ne se sont pas perdus de vue. Tu vas te mettre là. Jackie est même allé en Australie rendre visite aux Maulois. Leur complicité est totale. Attends. Quoi ? Un truc important. Oui. Un petit bisou. Allez, j'en fais un. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans cette cuisine quand même. Oui. Donc, je savais qu'il reviendrait. Quand, je ne savais pas, mais je savais qu'il reviendrait. Non, mais Jackie m'a toujours dit, tout le temps, quand est-ce que tu reviens. Eh oui, et voilà. Puis il y a un an, j'ai fait, on revient, il ne m'a pas cru. Voilà, et Julie, à chaque fois, Julie, mais n'oublie pas que tu es de la Vendée quand même. Hein. Alors bon, quand est-ce que tu reviens à Saint-Jean-de-Mont ? Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Emmanuel est finalement revenu. Mais comme tous les anciens expats, il ne sait pas encore s'il a bien fait. Il peut y avoir des doutes, hein, quand on revient comme ça en France au bout de 20 ans. J'ai toujours des doutes. Hein. J'ai toujours une peu de peur au ventre. Des fois, je me dis, putain, est-ce que j'ai fait la bonne décision ?
Lundi, je pars pour Dubaï. Oui, c'est sympa. Pour faire une démonstration. Mmh. Et ça, on va l'ouvrir pour que tu... Le nouveau travail d'Emmanuel l'amène à voyager très souvent pour faire des démonstrations à l'étranger. Bon, hein. En fait, c'est grâce à ça que je suis content d'être en France. Si j'avais pas eu ce boulot, je vous dis pas que j'aurais peut-être fait demi-tour. Mmh. Le fait que je sais que je vais retourner en Australie pour mon travail et dans d'autres pays, en fait, ça... C'est un côté un peu intéressant, excitant, on va dire. Mais il faut quand même que je précise que ma femme est heureuse d'être en France, et c'est le principal. Karine et Nicolas, eux aussi, sont rentrés en France, à Mieuxcy, en Haute-Savoie. 2000 habitants au cœur des Alpes. Après l'agitation de Montréal, c'est une sacrée différence. C'est ici que Nicolas a grandi. Son père était le maire du village. Lui en connaît tous ses habitants. Et pourtant, il a du mal à retrouver ses repères. Les deux premières semaines ont été particulièrement... pas difficiles, mais bizarres. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un contre-coup comme je l'ai eu. C'est dur à décrire, mais on se retrouve un peu perdu dans un endroit où finalement on a grandi étant petit, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment un peu bizarre. On s'attend à vraiment connaître, à se sentir chez soi finalement, mais on se rend compte qu'on n'est plus vraiment chez soi, quoi. Au début, je me disais, je ne me suis pas assez préparé à mon retour, mais ce que je me rends compte, c'est que finalement, je sous-estime la façon dont j'ai changé en étant parti 9 ans. On va en faire 3-4 pour être sûr. Karine, elle, a mieux préparé son retour en proposant son aide depuis Montréal à l'association du village. Bonjour. Nous sommes les membres de l'association Lieu de vie à Mieuxcy. La jeune femme a envoyé des CV pour chercher un emploi. Et en attendant les réponses, elle participe à ce projet qui lui permet de créer des liens dans sa nouvelle vie. Donc là, le but de l'association est de revitaliser le village en créant un café culturel et une épicerie bio. 150. Karine a de l'enthousiasme à revendre. Et pour les habitants, ce souffle d'énergie est précieux. On sent chez les gens autour de nous à Mieuxcy beaucoup de joie qu'on soit revenu et beaucoup de fierté qu'on revienne. Et ça peut que être valorisant, en fait, parce qu'on se sent aimé, finalement. Et puis c'est de ça qu'on a besoin dans la vie, hein, c'est de se sentir aimé. Depuis son retour en France, Nicolas n'arrête pas de se poser l'éternelle question : est-ce qu'on a bien fait de rentrer ? Salut ! Bonjour Nico ! Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va bien. Sa licence de pilote n'est pas reconnue en France. Alors, pour voler, Nicolas doit tout recommencer à zéro, alors qu'il a à son actif 2000 heures de vol. Le fait de devoir retourner étudier pour pouvoir exercer son métier, il y a un côté un peu démoralisant au début, quoi. C'est vrai que ça va être long, je sais que ça va être long, et je crois que c'est ça qui va être dur de tenir sur cette longueur à étudier. Et puis c'est sûr qu'on n'a pas, quand on étudie, on est tout seul, le contact social, on n'en a pas, quoi. Ben moi, voler, j'adore ça, quoi. C'est sûr que c'est l'hélicoptère, c'est une passion, quoi. C'est un métier de passionné. L'avantage, je pense, d'être ici dans les Alpes, c'est qu'on a ce côté des montagnes, des stations de ski, de l'entretien de routes de montagne. Donc il y a justement un nouveau volet que je connais pas encore, que j'ai hâte justement d'expérimenter puis de connaître, quoi, finalement. Pour reprendre tout à zéro, il faut déjà se trouver un logement. Salut! Tu vas bien? Myriam et Enrique ont fait une demande auprès de l'office des HLM de la région.
Donc là, on a la cuisine qui fait 10 mètres carrés et le séjour, lui, fait 20 mètres carrés. C'est une amie d'enfance de Myriam qui leur fait la visite. Voilà, donc on a une terrasse avec un petit bout de jardin. Voilà, donc ça permet de profiter un peu d'un espace extérieur, c'est plutôt agréable. Ouais, c'est pas mal, et puis en même temps, il n'y a pas trop à tondre, c'est pas mal. Voilà. Mais l'affaire n'est pas encore faite. Ouais, je vois bien avec le lilas, si on pense, le lilas, l'armoire de ce côté-là. Pour obtenir un logement, on va sûrement leur demander leur dernier avis d'imposition. Des pièces qu'elle n'a pas, puisque au Mexique, l'impôt est prélevé à la source. Les bulletins de paye ne vont pas être concluants. Le niveau de vie de la France est supérieur à celui du Mexique. Là-bas, Myriam gagnait 300 euros, Enrique 600. L'avantage aussi de rentrer en France, c'est que derrière, voilà, on a des prestations qu'on n'aurait pas ailleurs, quoi. Et de pouvoir toucher les allocations familiales, le RSA, pour nous qui rentrons, c'est super. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait pour pouvoir se trouver un appartement. Enfin... Donc, le dossier est soumis à notre commission d'attribution des logements. En attendant, Myriam et Enrique vivent toujours chez Isabelle. Une des priorités de Myriam, c'est que son mari se sente bien. Elle a rassemblé toute sa famille pour fêter les 30 ans de son mari. Merci tout le monde. C'est lui qui a tout quitté pour s'installer en France. Et ça, oui, c'est vrai que c'est important, c'est une preuve d'amour. Et du coup, je vais faire mon possible pour que tout se passe bien en France. Attends, tout le monde s'est cotisé pour offrir un cadeau à Enrique. C'est tout le monde. C'est un saut en parapente. Bon, merci. Même si on sait que sa famille lui manque et qu'on pourra peut-être pas faire la même chose que sa maman et son papa, on veut lui montrer que voilà, on est là. Donc on sait qu'il y a un manque, mais on essaie de le combler comme on peut. C'était une vraie surprise, vraiment. C'est ma famille ici en France, c'est ça? Vous mettez dans leur chambre. Ma famille, ouais. Et j'ai les aime aussi comme ma famille. Les gays, de leur côté, sont en immersion totale dans leur famille. Après tout, c'est ce qu'ils voulaient. Sauf qu'avec le passage des années, il faut à nouveau s'apprivoiser. Il n'est pas revenu pareil que quand il est parti. C'est sûr. Différent. Pas tout à fait. Ah oui, non, mais l'enveloppe est la même. Ouais, mais... non, voilà, ouais, caractère, plus forgé, plus... Oui, voilà, c'est autre chose, quoi. Métamorphosé. Non, dans le Transformer. Dans ton caractère. Camuri, oui. Il avait 21 ans quand il est parti. Bon, il en a 30. C'est vrai que c'est plus le même homme, quoi. Ouais. Ah, t'as et bien on mangé, vous toi. Ramènera du comté. Pas simple de se retrouver à 200 mètres de ses parents, alors qu'on a vécu pendant 9 ans à 6000 km d'eux. Il faudra que chacun prenne un petit peu ses marques, justement, parce que. Ils reviennent, ils ont leur vie, nous on a la nôtre, et tout en sachant que nous on est là aussi pour les aider s'ils ont besoin de nous quant à la garde des enfants, voilà. Mais je crois qu'il faut que chacun reste un peu indépendant, quoi. Et sa façon, on a chacun notre façon de vivre aussi, quoi. Ben moi, j'ai vécu 9 ans où t'es loin des parents. Puis c'est ça aussi qui est dur pour la personne qui... Pour nous, quand tu reviens, quoi. C'est de réapprendre à vivre avec ta famille proche, quoi. Ouais. Faut qu'on réapprenne à retourner dans les repas de famille, à tout ce rituel qu'est de Pâques, Noël. Oui. Tu sais, nous, à Noël, on partait dans le sud, quoi. Reprendre ses marques, retrouver ses habitudes. Des 4 membres de la famille gay, Julia est la plus sereine. Est-ce que tu as des amis? Un peu quand même. Ouais? Et la cantine? Ah, c'était bon. J'ai mangé de la salade. Bien. En fait, je vais te raconter un truc. Attends, je vais te le tenir. Quand j'étais arrivée, j'étais un peu timide. J'étais timide et aussi j'étais un peu inquiétée de ne pas me trouver beaucoup d'amis. Et dans la récréation,
Il y a une fille, elle est arrivée, elle a dit j'aime bien être amie avec les nouvelles, donc on est devenu amie. Et les journées sont plus longues ici? Bah, il n'y a pas beaucoup de moments de classe, mais il y a plus des moments de récré. Comme quand c'est le midi, il te laisse un moment de récré. Quand c'est avant le midi, il te laisse un moment de récré. Il y a presque tout le temps de la récré. Hein. Pour les parents, l'adaptation est plus difficile. C'est sûr que y a toujours de quoi s'inquiéter pour le couple, hein, de se dire ben, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est-ce qu'on va tenir le coup s'il y en a un qui n'est pas heureux puis l'autre qui est heureux. Donc c'est sûr que ça crée une inquiétude. Quatre mois après leur arrivée, Myriam et Enrique ont enfin déménagé de chez Isabelle. Ce n'est pas l'appartement qu'ils avaient visité, mais un plus petit qui correspondait mieux à leurs revenus. Myriam, qui avait tellement désiré ce retour en France, a dû revoir ses rêves. Vu de là-bas, j'avais idéalisé la France. Ça s'était tellement mal passé au Mexique que c'était un petit peu ma bouée. C'est vrai que je savais aussi les difficultés qu'on allait rencontrer, c'était sûr. Mais je les avais minimisées. Myriam avait sous-estimé la difficulté de trouver du travail. Quatre mois après son retour, et malgré plus de 50 CV envoyés, elle n'a aucune réponse positive. En France, c'est vrai que le diplôme est très important, alors qu'à l'étranger, pas tellement, finalement. À l'étranger, il se base plus sur la personnalité de la personne, sur l'envie d'apprendre, sur ses compétences professionnelles. Alors qu'ici, c'est vraiment, on a l'impression que le diplôme qui compte. Si on n'a pas de diplôme, on ne sait pas faire. Du coup, je vais reprendre mes études. Heureusement, Enrique a trouvé un emploi dans l'usine de recyclage de métaux de la région. Salut. Il est debout à 4h du matin. Il est chargé de la surveillance et de la maintenance des machines. Ici, contrairement au Mexique, il n'est pas le fils du patron. Et ici, on charge les sacs de 25 kilos et on charge plein. Alors c'est le sport. On court tout le temps, regarder les machines, l'entretien, le réglage pour que la pièce il sorte bien. C'est physique, et j'aime bien. Comme ça, je ne paye pas le gym. Parce que, ouais. Bon, je vais travailler ici un petit peu et une fois que j'ai un niveau plus haut en français, je vais essayer encore une fois de trouver dans un endroit touristique. Pourquoi pas? C'est mon rêve à la fin, je voulais faire. En rentrant en France, comme la plupart des expatriés, Myriam croyait que tout serait beaucoup plus simple. Finalement, c'est elle, plus que son mari étranger, qui a le plus de mal à retrouver ses repères. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un pays étranger. Parce que c'est tout aussi dur de rentrer chez moi que d'aller dans un autre pays, voire même plus. Myriam, elle est plus sous pression que moi, ici. C'est ça, aujourd'hui, c'est le moment de vérité. C'est que si elle n'est pas bien ici, elle ne sera pas bien nulle part. Pour moi, ce qui serait le pire, c'est en séparation. C'est ça, ce sera le pire. Des pères de ma famille ici. Ce sera le pire. Les enfants, on est arrivé en France. Maintenant, c'est pour moi de vous raconter une petite histoire quand même. Mon grand-père, c'est comment il s'appelle mon grand-père? Il s'appelait Ernest Mollois. Attends. Et il a fait la Première Guerre mondiale. Emmanuel ne veut pas raconter n'importe quelle histoire à ses enfants, mais l'une des plus tragiques de l'histoire de France. Une découverte pour ses trois petits Français nés en Australie. À toi, regarde. Emmanuel les emmène donc sur le chemin des dames, entre Reims et Soissons, sur les traces de leurs grands-parents qui ont combattu dans l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale. Eh ben, Ernest et puis grand-père Tessier sont passés par là. C'est incroyable, hein. Zlatan découvre les tranchées.
Oh, regarde là-bas. Il y en a d'autres. More and more. Oh. Des millions d'hommes sont morts ici, Zlatan. Tu te rends compte, il y avait dans, en une minute 3000 obus par minute. Je ne sais pas si tu imagines. Million bombs. Non, non. 3000 bombs per minute. Tu peux pas survivre à ça et rester normal. Tu peux pas être normal, c'est pas possible. Ils ont dû être très choqués. Ça te fait quoi de voir là où tes deux ancêtres sont passés? C'est moi, ça me fait toujours quelque chose. Je ne sais pas ce que je ressens, c'est très dérangeant. Grand-père Ernest, il a fait Verdun. Enfin, d'abord, il a fait la Somme. Après, il a fait Verdun. Et après, il a eu les poumons et une main coupée. Donc, je crois qu'il est sorti en 17. Tu sens que c'est une partie de ton histoire? Ah oui, parce que c'est Molloy. Quoi? Ils se cachaient dans les tranchées, et puis elles avançaient pour tirer sur les autres. Zlatan tente à son tour d'expliquer à Maya ce que son père vient de lui raconter. Alors, tu vois, ça c'est important qu'on vienne ici, que tu vois d'où on vient, parce que c'est là que tu viens, ma grande. Tu viens de ce pays. Est-ce que tu te sens français? Non. C'est okay, Zlatan. C'est bon, Zlatan, je me bouche les oreilles. You're an Australian, but non, je ne sais pas parce que. Je ne sais pas. Même si je vivais ici pendant 20 ans, je me sentirais encore australien. Je sais pas. And if I go back et si je retournais en Australie, je me sentirais français. Je ne sais pas pourquoi. Tout est confus. C'est tellement différent. Mettez-vous tous les trois à côté de l'arbre. Everyone stand against the arm. Come on, tous les trois, on y va. 1, 2, 3. 6 mois après leur retour, les trois familles réalisent que ce n'est pas une mince affaire. Revenir dans son pays après des années d'expatriation nécessite beaucoup d'efforts et d'ouverture d'esprit. Karine a finalement trouvé du travail au centre hospitalier d'Annecy. Et Nicolas continue sa formation de pilote. Ils s'habituent tous les deux doucement à la vie de leur village. C'est une étape à franchir, on la franchit peut-être pas au même rythme, mais l'important au bout du compte, c'est de la franchir ensemble. Myriam et Enrique, eux, vivent toujours à la Bridoire. Myriam a repris ses études en ressources humaines et Enrique travaille toujours à l'usine de la région, en attendant de trouver mieux. Il faut que ça marche. Même si ça prend un petit peu plus de temps que dans les autres pays ou que ce qu'on avait prévu. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que ça marche. Enfin, les Molois ont trouvé du travail et sont repartis, bon pied, bon oeil, dans une nouvelle vie. Les gens ne s'arrêtent pas de vivre, en fait. Hein. Et donc pour moi, si on était un peu plus positif, peut-être qu'on arriverait à faire marcher le schmilblick, en fait, du coup. Donc non, je ne regrette pas d'être en France, c'est un pays fabuleux. Like this, see? Oui, like okay, that. Stay there. Like that. And one. I'm so bad. What?